Matthieu, chapitre 3. En ces jours-là, vint Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disant, Repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de la main. Car c'est celui dont il a été parlé par le prophète Ésaïe, disant, La voix d'un homme criant dans le désert, Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et ce même Jean avait son habillement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et sa nourriture était des locustes et du miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et toute la région autour du Jourdain venaient à lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, confessant leurs péchés. Mais quand il vit venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit :« Aux générations de vipères, qui vous a averti de fuir le courroux à venir ?» produisez donc des fruits propres à la repentance, et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour notre Père, car je vous dis que Dieu est capable de susciter de ses pierres des enfants à Abraham. Et maintenant aussi la cognée est placée à la racine des arbres, par conséquent tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. En effet, je vous baptise d'eau vers la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu, son vent est dans sa main, et il nettoiera pleinement son air, et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec le feu qui ne s'éteint pas. Puis Jésus vint de Galilée au jour d'un vergent, pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait, disant, J'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Et Jésus, répondant, lui dit, Accepte qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute droiture. Alors il le laissa faire. Et Jésus, après qu'il eût été baptisé, monta aussitôt hors de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui, et voici une voix du ciel, disant, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir.